Alors, on va regarder un peu où j'en suis. Là, on a encore de la thune et j'en étais à vouloir faire ça. Alors, mon gros problème dans l'épisode, ce que j'ai pas vu pendant une heure et demie de jeu par la suite, c'est que pour inonder le marché, il faut simplement vendre la totalité. Donc là, c'est ces barbecues. Vous voyez que là, la demande a stagne. Donc tous les cycles, on va m'en redemander. Et plus encore. Donc moi, ça sert à rien que je les vende tous les mois, puisque tous les jours, puisque à chaque cycle qui passe de 4 jours, ça va remettre le truc à zéro. Et là, genre, le cycle prochain, il va y en avoir 48. Le cycle prochain, 50. Donc ce qu'il faut, c'est que je me maintienne avec de l'argent, avec des petits contrats. Et que ça, j'en stocke au maximum. Ça va me coûter beaucoup de thunes, des salaires et tout ça. Et ça va pas me rapporter d'argent. Mais je vais devoir vraiment les mettre de côté. Au lieu de les vendre à chaque fois comme un idiot. Comme j'ai fait pendant l'épisode et comme j'ai fait 2 heures après encore jusqu'à me rendre compte aujourd'hui. Donc voilà, je dois tout garder. Pourquoi tu doubles pas la quantité? Si justement, on va... C'est pas le but, c'est pas de doubler. Le but, c'est de... Entre ces deux points-là, d'arriver à zéro. Donc faut que je les ai tous de côté. Comme je te dis, ça va remonter à chaque fois. Donc ça, c'est un fait. Là, on voit que tout, j'en étais là. Toutes les demandes, elles augmentent, ce qui était absolument chiant. À part ça là, qui va finir par baisser. Et là, on en a 50 à faire. Donc je peux peut-être essayer de faire ça, même si 50, c'est vraiment énorme. Là, ça va descendre tous les mois, mais c'est super long à fabriquer. Donc après, je suis parti là-dessus. Mais là, je vois qu'on en est encore à des cycles qui montent. Donc là, c'est là où tout va se jouer, en fait. Hein. C'est là qu'il faut pas que je fasse de la merde. Et là, ça sert à rien. Mais en même temps, 49, mais ça va monter. Et là, c'est 50, ça va descendre. Donc le temps que j'en fabrique 50, il y a bien 2 cycles de 4 jours qui vont passer. Donc je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va partir sur ce robot. Donc on va faire des robots de cuisine, il va falloir que j'en stocke 50. Donc ça va nous coûter beaucoup de sous. Donc là, on s'occupe de la coque du robot. Donc ça, c'est les outils qu'on y met, on les achète. Et on les fait. On va faire du pas cher au début, on va essayer. Oh, on peut le faire d'une autre couleur, trop bien. Ah yes, il est bleu. Alors, extrudeuse et métal. Ok, et là on est sur la... Alors mes postes d'assemblage, il va falloir que je fasse quelque chose aussi parce que ça déconne tellement. Ah oui, voilà ce que j'ai pas fait. J'ai pas mis les lots. Ça m'a fait mais tellement de la merde. J'ai mais... oh, tellement galéré aujourd'hui. Mais c'est encore une fois le fait que je sois étourdi. Je suis tête en l'air et j'ai pas été attentif à jouer sur plusieurs jeux là. Ouais, il a une autre forme. Oh, énorme. Il a une tête à moitié. Trop bien. Il est trop classe. Oh, par contre, je peux pas mettre ça. Sûrement parce qu'il me faut du métal un peu plus solide. Et donc on va faire les outils en métal solide. Et on est à 32 en résistance. Ah, c'était en style. Par contre, donc il faut beaucoup de style mais moins de résistance. Donc on peut faire ça. Et revenir là-dessus. 29, on est encore trop résistant. Donc je peux éventuellement faire ça. Et revenir là-dessus. Non. Et là, on est à... 28 et 24 par contre en style. Donc là si je fais ça. 22 et 27. Parfait. 29, 22. Voilà, c'est cool comme ça. Maintenant on va tout relier. Donc déjà ce que je vais faire, qui n'était pas bon, c'est refaire mes assemblages et faire vraiment les commandes groupées. Parce que là, ce que j'avais fait... Ah mais ça vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu ça, la nouvelle salle. C'est dans l'épisode 17. Je voulais présenter ça. Ok, donc là il y a des tableaux d'assemblage. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Ouais, mais là, il y a encore les barbecues et tout, ça craint. Non, je peux pas faire ça. Il va falloir que je finisse ces commandes et que je mette bien des commandes groupées. Mais normalement, là, j'ai 3 groupes. Donc là, on va essayer de s'en sortir avec ça. Par contre, ça, je l'ai pas fait en commande groupée. C'est ça, mon erreur. Bon. Et j'ai encore perdu une image. Ça va, hein? Dites-moi s'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le live. Ok, je pense que là, on a fait le point. La nouvelle salle, on savait pas encore. Ah, merde. ah, mais non, c'est dans le prochain épisode. Bah, j'ai refait la salle ici, mais elle n'est pas assez grande, en fait. Et je vous explique qu'en fait, je vais faire une salle en L, ou faire que de l'assemblage, et que je vais faire le quai par ici, quoi. Parce que là, ici, c'est pas assez grand. Ok.
Donc, on en est là. Première chose à faire, première étape, ça va être les forges. Et on n'entend pas le son du jeu. Vous entendez le son? Pourtant, la musique, faut pas que je la mette trop fort. Parce que je vois que le son est à fond. Salut Vénarme, bonne nuit. Pourquoi le son n'est pas plus fort? Je vais monter un peu. Non mais en fait, il n'y a pas de son là. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait la musique. Je vais le laisser là alors. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique en fait. Ok, on reprend. Alors là, j'ai pas sélectionné, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon en fait, il y a le son. Tout va bien. Le plastique, c'est fantastique. L'extrudeuse, ça va ici. D'ailleurs, il y a trop de son maintenant. Plastique, on a nos machines. Alors là, assemblage. Alors il y a déjà la découpeuse ici. Ok. Poste numéro 1. Poste numéro 3. Il y a une machine en moins sur le poste numéro 3, donc je vais faire juste les intermédiaires. Et poste numéro 1. Et c'est là où il faut que je fasse ça. C'est ça que j'avais jamais fait comme un idiot. Donc voyons si ça va mieux marcher maintenant. Parce que là, on est parti pour en faire 50, les gars. Là, ça déconne pas. Combien de tout dessous? 6000. Boum. Ok, c'est parti pour inonder le marché. Et maintenant, il faut que je prenne des petits contrats. Donc là, on va bombarder tout ce qu'on peut. Il y en a 12 de disponibles. Bon, c'est pas énorme. Alors là, il faut que je les fasse aussi par... par l'eau. Ok, c'est pas tout. On va faire ça. 25. Par l'eau. Ok, là, il y a tout qui se met par l'eau maintenant. Évidemment. Donc ensuite on va en faire on va faire des chapeaux. Parce que ça c'est simplement la couture. Petit chapeau de forme. Parfait, avec la petite plume. Très bien, comme ça de cette couleur, c'est très bien. Alors. Couture, couture, couture. On met ça sur le poste à couture. Et comme ça on va pouvoir lancer ça. Combien on peut en faire? 34. On met en lot. Ça, je le mets jamais, purée, mais purée de purée. Ok. Alors là, je sais pas ce qu'il a, lui. Donc, on a les poupées, on a les canards, on a les chapeaux. On save. On reprend et on met play et on voit ce qui se passe. Ça va, on entend bien le son du jeu, c'est bon. Tout va bien. Alors, est-ce que ça va bien se passer? That's the question. Déjà, faut vraiment que... Voilà, faut vraiment que je fasse masse de barbecue. Faut que je finisse ça et que je fasse vraiment les trucs avec les lots. Et là, vous voyez qu'on est à 23 000. Et qu'il va falloir être attentif sur ça. Parce que là, il commence rien du tout. Donc je vais peut-être faire les canards en premier lieu. Parce que là il va les commencer tous ensemble. Est-ce que ça sert à ça les lots? Parce que les lots j'ai pas très bien compris hein, franchement. J'ai pas tout compris. D'ailleurs les sous vont descendre vite. Je pense qu'on va faire toutes les petits en premier. Hein, parce que ça on n'est pas si pressé, faut les stocker. Alors voyons, on va aller voir au chapeau parce que les chapeaux ça va être facile à voir. Est-ce qu'ils vont les commencer? Ah ils ont déjà commencé. Alors est-ce qu'ils vont les faire en entier? Normalement oui. Les poupées, comment ça se passe? Alors les poupées, est-ce qu'ils vont vraiment les... Alors c'est ça que je vais voir, est-ce qu'ils vont les assembler en entier? Parce que là vous voyez, ça y est, ils ont posé une tête de poupée.
Maintenant là je pense qu'ils... Est-ce qu'ils vont commencer les corps en même temps là? Ouais, ils font les corps. Ils ont déjà fait toutes les têtes. Ils font aussi des canards. Ils font les corps. Alors, est-ce qu'on monte de la poupée? Eh ben ouais, j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux comme ça. Parce que là, c'était toujours bloqué, mais là, ils ont dédié une table aux poupées, hein, j'ai l'impression. Les chapeaux, ça se fait. Bon, ça, ça rapporte pas énorme de thunes. Vous voyez, là, on perd les sous à une vitesse, là. Les robots, faudrait qu'ils les terminent. On n'est plus qu'à 13 000 dessous. Les robots, j'ai l'impression que ça avance plus. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Les bras. Ils ont tout. Là, il manque le ça. Ça, c'est fabriqué où? C'est fabriqué au bois. Donc c'est fabriqué. C'est ce poste de travail. Donc c'est ici. Ah ouais, là, faut les réparer. Là, on va les passer sur priorité 4 parce qu'il y en a quand même beaucoup à faire. Ok. Ça devient compliqué là sur ma partie. C'est pas forcément super évident ce que j'ai fait. Et du coup, je me retrouve un peu coincé. Attendez, je coupe un peu le micro parce que là, il y a du bordel dehors. Il y a le gros camion qui passe et tout. Vous allez entendre beaucoup de bruit, je pense. Est-ce qu'il y a vraiment tout qui se fait bien là? J'ai pas l'impression en fait. Attendez, hein, je remets le son du micro dans quelques instants. Bon, on gagne un peu de sous. Un petit peu, pas beaucoup, mais on en gagne. Alors ça, on l'enlève. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire des petits tabourets, mais il n'y en a pas beaucoup. 12. Ici, est-ce qu'on a eu de nouveaux trucs? Pas du tout. Ok. Alors, est-ce qu'on a changé de cycle? Oui, hein. Là, ça va redescendre. En même temps, je suis parti sur les robots, mais est-ce que les barbucks... Comment ça va le faire, les barbucks? et 32, je vais en faire presque 50, ça va être compliqué.
Déjà, on va faire tout ce qu'on peut. Si on fabriquait un peu des snoo, des consoles, les chapeaux, est-ce qu'il y en a deux? Une console 12. Et là, 32, le prix va se péter la gueule. Là, la demande va monter. Je pourrais peut-être faire des snoo. Les skates, j'en ai déjà fait. Faisons des skates, tiens. Ok. Ok, on va partir avec ça. Ça, ça avance plus beaucoup. On en est où de ça? Alors voilà. Voilà, voilà, voilà ce qu'on fait. Il manque ça. Et ça, c'est fabriqué où? À la table, ici. Alors toi, on va aller te fabriquer autre part. Est-ce que j'ai déjà mis les autres tables? Non, pas encore. Là, vous voyez, c'est pas très bien organisé là. Là, c'est là où je commence à pas être rentable quand il y a trop de trucs. Parce que ça se met pas bien en place au niveau des montages. Il y a des tables qui attendent alors qu'il y a d'autres trucs qui pourraient être montés. Bon, je vais faire une sauvegarde. Et il faudra changer de la. Faudra faire de la micro-gestion si jamais. Si jamais on perd. À partir de là. En tout cas, des barbecues, on peut continuer à en faire, ça c'est bon. Commencer à en sortir. Mais par contre, les machines à bois, il y a des. Je pense que c'est ça, faut que j'achète un tour à bois, je crois. Faut que j'achète un tour à bois parce que là, il doit y avoir des milliards d'opérations à faire. 4 seulement. Ok. Je pensais qu'il y en avait plus, mais avec les pieds de barbecue, ça fait plein d'opérations. Et les robots, ça avance plus du coup, hein. C'est bloqué. C'est bloqué à cause du bois, je pense. Vous voyez qu'il y a encore, il faut encore ces deux machines-là pour les robots. 103. Voilà, c'est ça le problème. Alors là, on va faire comme ça. Comme ça, je pense que les robots vont avancer. J'espère. Les canards, c'est bon. Perds des sous. Voilà, on a plus de sous. C'est là où ça a commencé à devenir compliqué. Salut Cédric. Re. Les robots, c'est bon, ça a repris. Nickel. On était bloqué à cause de. À cause de vraiment du bois. Et maintenant, on va refabriquer des pieds de barbecue par million. Donc, faut vraiment pas faire de contrat. Enfin, on a plus de thunes. Faut vraiment rien faire qui nous prenne les tours. Les tours à bois. Parce qu'on en a besoin pour faire des milliers de pieds de barbecue. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Table d'assemblage et à la forge. Ok, et à la forge, on est en train de faire des trucs de skate. Donc la forge, c'est quel truc? C'est celui-là, je pense, ouais. Voilà. Non, c'est pas celui-là, ça c'est l'assemblage. La forge, c'est celui-là.
Et il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y avait le skate avant. Du coup, il fait le skate avant. Fouet. Jointure. Ok. Moins 500. Je pense que là, ça va refaire avancer les robots. Les canards, on peut plus en vendre. Oh là là, on est dans la merde. Ça y est, ça vient. Ça va être maintenant. En plus, on a stoppé les skates, j'aurais peut-être pas dû. Les barbucks, faut pas que j'en vende. Après, des barbucks, j'en ai. Hein. Là, j'ai plein. Ça va, je commence à avoir plein de sous qui dorment. C'est ça. Oh, tout en a acheté. Oh, tout ce métal à faire flamber là. Oh là là. Mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre. Parce que là, du coup, est-ce que ça monte les robots? On en est où des robots là? On n'est plus qu'à l'assemblage. Hein. Donc, les robots, vous allez. Il manque ça là. Qu'est-ce qui manque pour faire ça? C'est assemblé ici. Parce qu'ils font les barbecues en premier, quoi. Voilà, des robots, on est à 0 sur 9. Là, il nous manque ça. C'est fabriqué où, ça? Deuxième table d'assemblage. Deuxième tableau d'assemblage. Ok. C'est bon, ça va se débloquer. C'est bon, ça avance, ça y est. Allez, faut y aller les enfants maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est bon, les robots s'avancent. Un peu. On est à moins 1000. C'est la merde. À moins 3000, faut que je vende des trucs. Oh, attendez. Non, ça c'est pas bon. Yes, c'est bon. Ouh, sauvé. Les skates, il va falloir repartir un peu. Hein. Alors, on terminait les robots, non? Il peut rien monter encore, c'est fou ça. C'était ma mission qui était pas lancée avec les... Vous voyez que quand c'est pas lancé avec les lots, ça fait vraiment n'importe quoi. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. 88, je suis à moins 1000. Les skates, on va pas les faire parce que... Dans la forge, on n'a pas mis des trucs en avant du coup. Ok. Ça a l'air d'être bon en fait. Faut que j'espère terminer ça pour faire un peu de sous. Là, ça va être compliqué, les gars. Ça y est, on a sorti un robot. Je vais devoir vendre des barbecues, hein. Sinon, je vais pas avoir le choix. Ça m'a fait pareil tout à l'heure quand j'ai joué aujourd'hui. Là, allez, à moins 3000 max, faut que je vende. Allez, faites ça en premier, les gars, là. Non, stop, 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 stop. Stop. Ah, oh, j'ai deux skates. C'est chaud. C'est chaud, frère. Allez, les robots, là, les robots. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Je crois qu'ils ont complètement arrêté les robots là. Parce que ça y est, ils fabriquent des bras et des griffes encore. Allez, sortez-moi ces robots s'il vous plaît. C'est le plus important. Je devrais faire un épisode où genre tu organises tout et... Ta salle parce qu'elles sont beaucoup trop grandes et tu payes beaucoup trop de taxes pour rien. Les deux salles de repos au milieu sont trop grandes aussi, tu penses, comparé à ta salle d'assemblage par exemple, parce que sinon tu vas jamais t'en sortir parce qu'il y a toujours presque en banqueroute. Ouais, ouais, bah dans ce cas-là, je recommence la partie. Hein.
On peut essayer de faire ça maintenant, mais t'imagines le temps que ça prend, et en même temps, là, je suis en galère dessous. Je suis pas très bien engagé dans cette partie, pour être honnête. Par contre, là, j'espère qu'on a vendu des trucs, sinon on a perdu. Ah si, c'est bon, il y a un camion qui arrive. Au secours! Mais si vous voulez bien finir ces robots, juste ça quoi. Juste les robots quoi. Yo, me like cake, how are you? Ça va ou quoi? Les petites flammes et tout trop fort. Bisous, Miss. Bon, on est au bord de la banqueroute, hein. Je vous le dis, je vous le répète. Ça va être compliqué. Ça va être complicado, les amis. Mais on y croit. On y croit, sinon ben, on va devoir faire ça. On va devoir tout rebouger et tout changer. Ça va être infâme. Ok, mais ce satané robot, quand est-ce qu'il va se finir d'être fabriqué, là, les gars? Allez-y, là, faites votre taf, un peu, là, au lieu de vous glander dans les zones de repos, là. On vous voit. Bande de gnomes. Banqueroute, mais non, pas encore, j'ai pas dit mon dernier mot. 6 sur 9, on remplit nos objectifs. On a pas encore coulé la maison. La Gaming Skill Incorporation. On y est, on fabrique du drone, ça y est, ils sont là, ces petits robots. Oh, au secours. On est à moins 3007. Oui, allez-y les enfants, allez-y, ça y est. C'est maintenant. C'est quoi le dessin à gauche, ça? Mais c'est toi. Regarde, c'est mignon. Il y en a d'autres. D'ailleurs, il y a un mini-gars à trouver, paraît-il, sur la carte qui est caché. Lazy Steve, Steve le feignant, qui se trimballe de droite et de gauche sur la map qu'on peut aller chercher. Et ben voilà, je crois que c'est lui d'ailleurs. C'est Lazy Steve, c'est lui. Mais non, c'est peut-être pas lui en fait. Mais tu peux le voir bouger, faire des conneries. Il y a des petits clins d'œil, il y a des petits easter eggs. Ok, on est à moins 4000, il faut faire quelque chose. Au secours. Skate. Et je garde, tant pis, je vends encore quelques barbucks, je me les garde pas. Ok, on survit. Moins 5000, c'est la banqueroute, hein, je vous le rappelle, moins 5000, la partie s'arrête. Ah ouais, c'est bon, bébé. Non, au secours. Ça y est, mes drones sont faits. Ça va rien changer, mais... c'est la merde. Je devrais recommencer, putain, je suis deg. Je pense que là, faut que je vende tout là et que je reprenne un peu à zéro. Ok, on a eu 13 000. On a passé un niveau. Ok. Alors, le marché. Le marché stagne. Donc, on va arrêter de faire cette merde, hein, je crois. C'est ça qui me fout dans le rouge, là. C'est d'essayer de faire cet objectif qui me force à économiser plein d'articles, alors qu'à chaque fois, il y a trop de demandes, faut que je parte sur d'autres trucs. Le point d'exclamation et la tête de mort? J'ai pas vu. J'ai pas vu de quoi tu parlais, mec. Un dessin dehors, sur le sol, sur la carte? Ou un dessin sur une machine? J'ai pas vu. Attends, je peux pas réfléchir à ton truc. Il faut que je réfléchisse au mien, je suis obligé. Sinon, ça va être compliqué. Ah ouais, il y a un truc qui est apparu? Eh ben, je sais pas, j'ai pas vu. Le marché. Là, on sait que ça va se péter la gueule. Ça refait pareil que quand j'ai joué, avant que je perde. Donc ça peut être intéressant à fabriquer. 65, hein, quand même, ça va être encore la galère. Peut-être que mon usine n'est pas assez bien faite pour que je puisse faire ça encore. Peut-être qu'il faudrait que j'arrange des trucs, mais c'est con. C'est vrai que là, j'ai des grandes salles pour pas grand-chose.
J'avoue que ça, c'est pas si bien quoi. Mais j'ai tellement pas envie de tout rebouger. Quand j'étais en banqueroute, ah ouais, il y a un truc qui apparaît et qui te dit que t'as. Là, ici, là, ça apparaît, c'est un icône qui apparaît et qui te dit que t'as plus de sous. Du coup. 8000, si j'achète des tables comme ça maintenant, je vais plus avoir de thunes pour. Non, mais si je fais par loup, ça devrait bien marcher. Bonne nuit, Adrien. À bientôt. La bise. Je pense, les gars, que je vais repartir à zéro. Je vais tout vendre. Ok, je vais tout vendre. Maintenant, on va refaire les commandes groupées. Du coup, ça devrait mieux se passer. Foyer portable rapporte beaucoup en ce moment. Je vais peut-être investir dedans. Oh, mais tu casses les couilles, mec. S'en fout de ton avis. Ça y est, il va truquer le marché. Et le prix a tellement baissé. Et là, le prix va remonter. Bon. Ok. Là, le marché stagne. Il n'y a que là où le marché descend. Bon, faut vraiment que je fasse ça, les gars. Faut que je fasse ça. Ok, faut qu'on fasse ça. Donc, on est parti pour faire un petit plan. Je perds des images. Ok, j'ai des drops, on dirait. Ok. Ouais, bonne nuit Adrien, ciao. Donc là, on va faire... Est-ce que j'ai assez de machines en plastique? On va faire des skis en bois et des skis en plastique sur ce petit jouet. Donc on va prendre du bois de base. Et ce gros monoski là, qu'il y a devant, on va le faire en plastique. Voilà, comme ça on va pouvoir fabriquer ça plus vite. Avec des tubes à extruder. D'un alliage simple, alliage chinois. C'est sûrement pour du client Décathlon. Et là, une... ça c'est très bien. On va faire une selle en tissu. Comme ça, on fait bosser tous nos différents ateliers. Et un petit volant en plastique. Et du coup, on se retrouve au niveau de la demande. Alors la plastique de qualité qui va nous faire plus de style. Petit tissu clair qui va bien. Là, on a choisi nos matériaux. Et du coup, il y a encore un matériau à choisir. Il est où? Ici. Et là, on va prendre du plastique de qualité. Résultat, la demande de style, c'est bon. La demande de résistance, c'est bon. Et la demande de confort, c'est... Bon, il faut assigner ça sur nos machines. Donc là, on a nos scies circulaires. Hein, les scies sont là. Donc c'est sur notre tableau. On va mettre ça ici. Ça. Ah mince, je me suis gouré. Attendez. Ça, il faut le mettre ici. Et ça, il faut le mettre ici. Et ça, il faut le mettre sur les machines à plastique. Ça, on le fout sur l'extrudeuse. Ça, on le fout sur les postes à souder. L'assemblage intermédiaire, on le met sur un poste d'assemblage. Et ça, c'est pas très bien. Je devrais faire des plus grosses salles d'assemblage tout ensemble. Parce qu'au final, c'est pas très bien ça. Parce que du coup, j'ai pas toutes les machines qui tournent. C'est pour ça que je vais pas très vite. C'est ce truc de 3 postes d'assemblage, il me semble. Je pense que je vais bouger ça. Mais là, j'ai encore des trucs en cours. Faudrait que je termine mes commandes avant. Shit. Je peux pas refaire de mission, en fait. C'est ces postes d'assemblage qui me foutent la merde. Avant de lancer cette commande, je vais finir toute celle-là. Alors attendez, je finis quand même de lier le reste. Donc la couture, on a un atelier de couture, c'est très bien. Ici, moulage plastique, ça se passe dans cette salle. Et là, assemblage final. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. Et ça nous donne ce petit objet, très rigolo. Ok. Mais bon, là, j'ai 3 tableaux qui sont reliés à des assembleuses. Qui sont des postes d'assemblage. Mais je vais mettre tout sur un seul tableau comme c'était avant, en fait. Donc là, on va faire une sauvegarde de plus. Et là, les amis, on va essayer de terminer ça en priorité. Surtout ça. Et là, il y a tout qui est prêt à monter, j'ai l'impression. Mais pourquoi il commence pas? Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous voyez, c'est parce que tous les postes travaillent pas, en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Les assemblages des parties du robot. Bon, ben allez-y, let's go, quoi. Qu'est-ce que vous faites chier? Pourquoi on fabrique pas encore, là? Il faut que je partage les tâches, à mon avis. Bye.
Là, on est que sur les skates. Là, on est dans les trucs des robots. 5, 5, 5. Ok, c'est là. Alors, qui fait rien? Tout le monde fait là. Hein. Bon, écoutez, je vais essayer de laisser comme ça. Ça, c'est bientôt fini. Ça, ça avance. On a un tout petit peu de sous d'avance. Ça avance plus trop, ça, d'ailleurs. Si, ça avance un peu. Ok. On va voir si on va s'en sortir comme ça. Parce que là, il devrait commencer ses robots. Hein. Ça y est, les petits robots sortent, c'est bon. On fabrique nos petits robots. C'est stylé ça dans ta cuisine, c'est cool. La fatigue arrive, ouais, ça c'est sûr. Ça va être l'heure de bientôt aller faire dodo. C'est sûr, c'est sûr. Moi le premier. Hein. Alors. Là, je vois que pour les skates, on a pas les trucks. C'est pour ça que ça avance pas vite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'on doit servir du métal pour autre chose. Ah, il y a un truc à cramer. Oh, je suis deg. En plus, ça met super longtemps à réparer. Je vais perdre trop de sous. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas mal ce que j'ai fait. Oh non! Non, pas ça. Bon, ça va, c'est pas trop chiant, ça. Oh, j'ai eu des rats aujourd'hui, là, quand j'ai joué et que j'y arrivais, que j'avais du mal. J'ai eu deux fois des rats, c'était infâme. Alors, où ça se passe? Ça rame un peu les skates. Ouais. Bon, c'est pas mal. On a fait une petite heure là-dessus. On va pas trop s'éterniser non plus parce qu'il commence à être tard. Et là, faut réfléchir encore pour ça. Mais déjà, là, je repars sur des trucs un peu différents. C'est, ça va être mieux. Et surtout, je vais faire les commandes groupées. Ce soir-là, je vais juste terminer ça. Lancer les gros trucs pour voir comment ça se passe. Les grosses commandes pour voir si on arrive à faire le challenge. Et je vais regrouper les machines et déjà ce sera pas mal. Les moisissures, c'est où? Allez, on y croit. Tout va bien. La société est en bonne santé, vous inquiétez pas. Tout se porte pour le mieux. Ça, ça va nous faire un peu de sous. Quoi, c'est pas bon encore? Mince. Ouh, ça se passe. Non mais les trucs sont chiants maintenant. Avant, c'était pas comme ça. C'est un peu relou là, c'est pas fini. Ok, ça c'est fait. Il y a des champignons qui poussent et tout. Incroyable. Ok, on reprend 8000, ça fait pas de mal parce qu'on est qu'à 9000, mais bon là on va faire des sous là. Bon, et les skates maintenant, ça y va ou ça y va pas? Boum, 41000. Succès déverrouillé, massive order. Excellent, j'ai eu un succès, je l'ai jamais eu. Excellent, c'est la première fois que j'en fais autant d'un coup. Incroyable. Et ça, ça a cramé, non? Oh, secours! Ah ouais, ça sert depuis tout à l'heure, ça n'a pas encore été réparé. Ça va bientôt péter.
Bon, ça rame un peu les skates. D'ailleurs, je pourrais faire quelques chapeaux parce que les chapeaux, ça prend pas les tables. Voyons, est-ce que je peux en faire? Yes. Ça, ça va quand même nous faire des sous. Alors que ça n'utilise pas les tables d'assemblage. Et ça, ça apparaît quand on n'a plus d'argent. Ah non, les livreurs en a assez et commencera bientôt à expédier la livraison. Occupez-vous des zones de chargement. Et commencera bientôt à expédier la livraison. Occupez-vous des zones de chargement. Eh ben, ça va pas bien les zones de chargement. Après, il en a emmené 50, hein. C'est pour ça aussi. Mais quoi, c'est trop loin ou quoi? Je comprends pas ce problème. C'est peut-être parce qu'il en met trop. Ah si, je sais. C'est parce que les robots, ils étaient là. Il y avait du stockage en trop. Il y avait trop de... pas assez de place et les robots étaient ici. C'est pour ça qu'il doit râler. Et du coup, on les a pas tous vendus. Nice. Bon, on a eu 42 000. Ok. Allez, les skates, les skates. On se dépêche de faire ça. Et comme ça, on va pouvoir arrêter tranquille. Et là, on a 45 000. C'est cool. Faudrait pas qu'on perde plus de 5-10 000. Allez, skate. Bon, on fait pas ça sur toutes les tables. Je pourrais optimiser un peu pour qu'on fabrique sur tout. Est-ce que je peux? Non, parce qu'ils les font un par un. Allez, dépêchez-vous, les enfants. Perd des sous, mais normalement on devrait en gagner un peu. 7000, c'est pas beaucoup, hein. Allez, dépêchez-vous, les gars, dépêchez-vous. On va réparer ça. Et ensuite, je suis bon, je peux faire mon changement. Le changement, c'est maintenant. Ouais, j'ai peu de place ici, hein. Cette salle est trop petite. C'est pas parfait. C'est pas perfecto, comme j'aurais aimé. Allez, là, on perd des sous. Ok. Donc là, je vais faire ça maintenant. Je vais... remettre comme c'était avant, tout simplement. Et je vais peut-être mettre un autre poste d'assemblage autre part. Combien j'ai? 37 000. Là, je peux faire un truc. Là, je peux faire de l'assemblage ici, mais après, ça va être loin. Ok. Là, je peux mettre plus de tables d'assemblage. Là, je peux faire comme ça. Ok, je pourrais peut-être... alors, je sauvegarde. On va faire un petit test. Oh, le salaud. Le salaud, quoi. Donc je vais mettre la zone ici. D'ailleurs, ça n'avait pas besoin d'être aussi grand. Et comme ça, je vais pouvoir mettre plus de tables d'assemblage. Et j'espère que ça va solutionner le problème. Par contre, niveau place, c'est pas énorme. Et écoutez, on va essayer de faire comme ça, voir ce que ça donne. C'est jamais. Mais
C'est pas vrai, pourquoi je me trompe toujours de bouton? Je sais pas si ça va être assez grand, normalement oui. Hein. A priori oui. Ok, donc ça on va le vendre. Ok. Entreprise prend feu, c'est bon, tout est solutionné depuis, je pense. Donc ici, voilà, on a de la place maintenant, on va investir. Ok, maintenant on va faire ça. Et là, est-ce que je mets tout vraiment sur le même? Donc je vais mettre ça. Six postes de travail sur un projet, c'est pas mal quand même. Et donc là, je peux mettre les six autres ici. Et là, pourquoi pas se gaver, hein, j'ai envie de vous dire. Non. Ouais, on va faire une grande zone. Je réfléchis, les amis, je réfléchis. Donc là, on a tout posé. Là, je vais pas en mettre plus. Je pense qu'on va laisser comme ça. Déjà, il doit faire des allers-retours entre ces deux salles. C'est pas top. Donc bon, on va leur laisser ça. J'en aurais quand même bien mis deux autres, quoi. Par contre, sinon, il faudrait que je fasse l'export maintenant. J'ai combien? 37 000, c'est pas énorme. Là, il faudrait que j'arrête de faire ça. On va mettre pause parce que là on perd beaucoup d'argent. 35 000, ouais, j'aurais dû mettre pause, je suis con. Je suis un peu bête, c'est pas grave. Et ça, ça a cramé aussi, mais c'est pas vrai, il y a tout qui crame ici. Donc là, on va save. Et maintenant, on va... un défi 65 54 34 on en a pas des comme ça 40 bon, faut pas que je refasse des plans faut vraiment que je refasse des plans ouais on n'a pas de plan shit. On va lui faire comme ça j'ai déjà le plan, c'est très bien. Et là, donc voilà, c'est là où ça va se jouer. Puisque, donc c'est parti. Alors là, est-ce que ça va être mieux? Parce que là, je vais juste changer les postes d'assemblage. Vous voyez que là, il y a de l'assemblage intermédiaire. Donc on va se mettre sur lui. Et là, on en a 6 tables. Voilà, un autre assemblage intermédiaire, on va se mettre sur lui. Donc là, on a encore 6 tables.
Oh. C'est bon ou c'est pas bon? Et là, on a l'assemblage final. Et donc, on va mettre par l'eau. Ensuite, on va faire ça. Dix, parfait. Alors, plastique. Je vais prendre toutes les missions et puis on va, voilà, on va arrêter là, voir ce qui se passe quand même, faire un petit accéléré, voir si ça fonctionne et puis certainement arrêter très vite après. Donc là, c'est la peinture et ici on a l'assemblage. Donc ça va être fait par l'eau, donc j'espère que tout va bien se passer vu qu'on a déjà l'autre opération. On va mettre là par exemple. Donc je l'ai bien mis de ce côté-là, ouais. Donc faudra que j'utilise celui-là. Ici, il n'y a pas d'assemblage, c'est très bien. Là, ça c'est bon. Ça, c'est des petits trucs simples. J'ai juste l'assemblage à changer. Donc, assemblage normal, assemblage intermédiaire. Donc, on va reprendre celui-là qu'on a déjà pris pour l'autre. Et si j'ai un petit truc avec un seul assemblage. Voilà, tout ça c'est bon. Si j'ai une petite mission avec un seul assemblage, il faudra que je le mette sur celui-là. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre avec un assemblage? Pas grand-chose. Ok, donc. Maintenant, passons à ça. Parce que là, on a deux assemblages. 22 minutes, 22 minutes. Donc, je vais te mettre là et je vais faire tout sur cela, en fait. Je vais faire sur le même. Sur le même, je fais les deux assemblages. Ok, donc là, on va en faire 50. Ok. Et ensuite, là 68, le marché se pète pas du tout la gueule, là non plus. Ensuite, je sais pas quoi faire. Quoi faire? Là le marché se pète grave la gueule, mais 57 unités, et par contre après ça disparaît. Et là ça stagne, 72 unités, bordel. Mais on va faire ça. Hein. Vous savez quoi? Je vais en faire 60. Et l'assemblage, on va donc prendre... Alors là, le temps de tout assembler, ça va être infâme. Je vais prendre là-dessus. Voilà, là, on a fait un gros truc, hein. Oh, mon GG. Salut, mec. Comment vas-tu? Les skates, salut, Clash of Clans. Bonne nuit. Clash of Clans. Salut, Clash, tout court. Bisous. Clash of Clans, mais c'est Clash of Craft. 60, on est des ouf. Allez, on fait 60. Oh là là, là, c'est chaud ce qu'on tente, là. Mais ça, on devrait faire vite des sous avec ça. Ok, les skates, je peux pas les vendre parce que c'est pas revenu. 0 sur 16. Faut attendre que le cycle passe. Donc là, j'ai lancé toutes mes missions. Il me reste 21 000. Je vais mettre pause, je vais mettre sauvegarder comme ça. On va tester comme ça. Moral à 0, mais bon, changement les idées. Je suis sur ton live pour penser à autre chose. Et oui, il faut prendre une grande respiration et à chaque jour suffit sa peine. Et tous les matins on se réveille et les idées noires sont parties parce qu'on a rechargé les batteries. Donc détends-toi maintenant. Tu te détends tout de suite, ok? Bon. C'est parti. 21 000, on a de quoi tomber à zéro. Et vite regagner de l'argent et surtout... Voilà quoi. Donc on va booster ça, on va booster les trucs qui nous rapportent de la thune et on va garder en fond d'entreprise. Et on a tous les ouvriers qui bossent. D'ailleurs j'avais dépensé des trucs encore, hein. J'ai pris des stagiaires, les mecs se pètent moins la gueule. Là j'ai combien? J'ai 6 points. Là j'ai pris ça aussi. Non, pas du tout. Salaire des opérateurs et des transporteurs. Stagiaires. Ah non, j'ai pas fait encore les stagiaires, ok. Alors. Là, on va stocker masse de ressources.
Repartons là-dedans. Modifier la totalité des offres simples. Retrait des transports en approche 24 heures avec un temps. Non. Je vais prendre les stagiaires, tiens. Et ensuite, je passerai un petit peu là-dessus sur les dernières machines pour produire plus vite. Bon, les drones, ça a l'air de bien avancer. Oui, chef. Allez, voyons ce qui se passe. La rentabilité, c'est juste juste, hein. Moi, ce qui me gêne, c'est quand il bloque tout et que ça avance pas plus, hein. Il devrait vraiment monter les pièces que quand il y a toutes les pièces dans le stockage. Je comprends pas qu'ils viennent poser les trucs en attente, c'est con ça. Je comprends pas comment ça marche. En tout cas, les drones, ça se passe bien. Là, c'est bon. Ça se fait vraiment dans l'ordre, hein, j'ai l'impression. Ouais, le cycle va passer, on va peut-être avoir des skates à vendre. Attention, suspense. Ok, on va voir les poupées. Bon, ça, c'est encore à zéro. Il va falloir s'en occuper. On va peut-être mettre ça en feu. Les autres priorités... Ah ouais, non, j'ai mis ça en feu, mais ça, c'est juste en priorité, en fait. Faut pas le mettre en feu. Je vais enlever. C'est juste que c'est en prioritaire. Ça, par contre, c'est une fire, c'est sûr. Et là, vous voyez qu'on a perdu déjà 10 000. Hein. Je pense que ma partie est pas bonne. Je sais pas pourquoi. Je vais vous montrer. On va arrêter là. Si là, ça marche pas, je reprendrai ma sauvegarde. Et je vais vous montrer vite fait ma première usine. Eh ben non, j'ai pas réussi à saturer deux marchés. Là, c'est ce que j'essaye de vouloir refaire là en faisant ces trucs-là. Mais j'ai que des objets par milliers. Et j'ai pas de marché qui descend, ça se présente vraiment mal par rapport à mon autre partie, j'y étais arrivé assez facilement. Là j'ai que des gros trucs et j'arrive pas à fournir, à chaque fois ça me redemande. Et du coup au lieu de vendre à chaque cycle, je veux tout garder pour tout vendre d'un coup. C'est ça que j'aurais dû faire, c'est ce que je disais au début quand j'ai lancé le jeu. Et là toute la thune qu'on perd quoi, c'est dingue, on a perdu 15 000 déjà. Alors on va peut-être les refaire. Normalement, on les refait. Maintenant, faut tout livrer. Les petits drones, ils sont là, ils sont beaux. En tout cas, j'ai l'impression que ça marche mieux là d'avoir changé ça. Là, ça y est, on commence les tables. Donc, on continue d'accélérer. C'est reparti. On est remonté à 15 000 à peu près. Ça va être compliqué, hein. Allez, le canard. On peut le faire. Tu as vu les défis de Noël? Bah moi j'ai vu. Je l'ai vu dans ma partie, ça a rapporté à max. Ah ouais? Non, j'ai pas fait ça. Je crois que je les ai pas fait les défis de Noël. Ça se fait bien l'émission, ça se fait mieux, c'est cool. Depuis qu'on a réglé là. Non, j'ai pas fait ces défis moi, je les ai pas vus. Ça doit être des contrats spéciaux. J'ai pas fait gaffe. En tout cas, ça a l'air de bien s'être passé ces changements parce que là, ça va à peu près. Hein. Ça va à peu près. On est re-rentable. Ça va nous faire un peu de sous, je pense. Hein. Bon, par contre, là, on a rien commencé. En fait, il fait par... C'est vraiment par l'eau, là, du coup. Ça y est, là, ça commence un petit peu.
C'est vrai que là j'ai énormément de place qui me servent à rien. J'ai encore fait beaucoup trop grand, je crois. Vous allez voir dans votre usine, c'est pire quoi. C'est des trucs tout cons à faire. Ça rapporte 100 000 à chaque fois. Bon, incroyable. Les tables. 11 000. Vous voyez, du coup, on va être bien en fait. Alors, je vais me calmer. Parce que là, du coup, on commence ça. Faudrait que je reprenne un défi, mais bon, est-ce que la chaise, elle est déjà faite? Est-ce que j'en ai déjà une aussi bien? 33, 33, 29. Ouais, j'ai pas envie de refaire de plan là. Je vais faire avec ce qu'on a déjà, donc tant pis pour les défis. Tu n'as pas lié ton stockage à tes tableaux d'assemblage. Bien vu, mec. C'est pour ça qu'ils restaient vides. Que je l'ai vu qu'ils étaient vides et que j'ai vu les jaunes remplis à côté et que je me suis pas posé la question plus que ça. Merci. Ok. Du coup, ils vont tout déplacer. Bon, ça change pas grand-chose. Mais bon, là, ils ont de la place vide pour la livraison. Donc, si, ça change tout, en fait. Donc. donc. On repart sur des contrats. Ça, je peux en refaire. On va en refaire 9. On va en faire 10 parce qu'après on va les vendre quand même. Alors je n'ai jamais écrit un commentaire sur ta vidéo YouTube, mais tu n'as pas acheté trop de parcelles. Tu dois avoir beaucoup de frais avec toutes ces personnes que tu as achetées. Alors tu dis à chaque fois j'ai occupé 100% des parcelles avant de débloquer. Ouais, tu n'as pas tort. C'est vrai que j'ai abusé parce que je voulais faire mon truc qui traversait. Tu sais, quand moi j'ai des idées en tête, des fois à bas la logique. Mais t'as pas tort sur ton commentaire. Donc ça on l'a pris, ça c'est mort, ça on en refait. Je pourrais faire un petit tabouret, ça va être vite fait ça. Ça devrait être assez vite fait. Ah ben voilà, on va utiliser le touré à métal en plus, nickel. Ah non, même pas, à l'extrudeuse ou à la... Non, on va faire ça à l'extrudeuse. Ah, je suis obligé de le faire en haute qualité. Ah, j'ai pas le touré à... Merde. Tant pis, on fait pas le tabouret. Là, ça va s'arrêter. Ou ça s'est déjà arrêté, les chapeaux. Est-ce que c'est revenu 32. Ok. L'escalier, ça m'a un peu fait chier. Par contre, ça, on peut en refaire 16. Il faut refaire les assemblages. Alors, assemblage intermédiaire sur le même. Sur celui-là. Et assemblage final sur celui-là. Ok. Let's go. Donc par contre, on va faire ça. Et ça, je vais laisser en bas parce que c'est sur d'autres ateliers. Donc voyons si ça se fait... Voyons si là, ça va se refaire en premier, avant ceux-là, qui ont commencé. Et voyons si celui-là va quand même se faire alors qu'il est en bas. On a plus de sous, là, on va empocher les sous de... Ah ouais, ok, c'est bon. Tu peux pas saturer deux marchés dans les produits avancés. Des fois, moi, c'est ce que j'ai fait. Ah ouais? T'as saturé deux produits en le avancé, tu dis? Là, dans celui-là. Mais écoute, c'est cool. Moi, j'y suis pas encore. Mais je te dis, moi, là, cette usine, elle est pas aussi efficace que la première que j'avais fait. À vouloir faire cette jolie forme-là, je suis moins rentable. Alors là, vous voyez qu'il manque les poignées en plastique. Et du coup, ça fait stagner la totalité du truc. Alors que derrière, je suis sûr qu'il y a d'autres trucs à faire. Voyons. Il y a toutes les consoles qui sont lancées là, et les poupées. Alors que là, vous voyez qu'il manque les poignées partout. Alors pourquoi il manque les poignées?
poignées. Les poignées, ça va être fait sur le plastique. Alors que c'est lequel le plastique? Donc là, il moule les consoles. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a que ça. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Alors, les poupées sont là. Ça va être les prochains trucs. Actuellement, ils ont l'air de faire ça. Ensuite... Ah, les poignées sont là. Merde. Ah, mais j'ai remis ça devant. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire les poignées. Ok. Donc là, il faut que je change ça sur le... sur les établis, je pense. Ok, là, faut que je fasse ça. Que j'aille en bas. Ah, les poupées sont là. Donc, faut que je mette les poupées en premier. Non, là, il a la console. Pourquoi c'est le truc en cours? Pourquoi il a ça posé? Vire-nous ça, mec. Pourquoi il n'y a que ça qui apparaît? Alors que là... comment je peux le chasser? Il est où? Pourtant, je peux pas changer. Ah, j'ai ma souris qui fait tourner le truc en plus. Oula, c'est compliqué là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus. Pourquoi n'apparaît pas les poupées? N'apparaissent pas. Ici, elles apparaissent. Et là, la première tâche, il me dit que c'est ça, alors que là, il a toujours le barbecue qui est posé là-bas. Moi, mec, je veux que tu fasses les poupées. Sors-moi ça! Ah, c'est relou. J'aurais pas dû changer la place, j'ai l'impression. On est à moins 1700 en attendant tout ça, bravo. Donc là, ça, voilà, c'est bugué. C'est full bugué depuis tout à l'heure et moi je laisse en accélérer, j'ai perdu trop de sous. Bon, je pense qu'on va arrêter là, quoi. Ouais, dans les anciens, il y a des drones, c'est ça. Bon, là, j'ai fait de la merde. Hein. Je vais remettre ça en haut. Voilà, ça a pas changé les objets. C'est fou ça, parce que je crois que j'ai mis l'option en groupe, parce que normalement il vire tout ce qu'il y a sur le bureau et change d'objet. Pourquoi il a pas fait ça là? Oh, du coup on a perdu, j'ai laissé accélérer. Bon, je vais arrêter là. Voilà, heureusement que j'ai fait la sauvegarde. Là, on va embarquer les chapeaux, heureusement. Alors, là, il reprend sur les barbecues parce qu'ils reprennent les poignées en plastique. Le problème, c'est que là, si je change, que je mets les poupées au-dessus. Donc, du coup, là, on fait plus de sous avec le reste. Ils veulent pas vider les tables. Si seulement ils avaient vidé les tables, j'aurais pu reprendre mes poupées. Mais là, du coup, on va devoir perdre, en fait. Et je suis dégoûté. Je suis deg. Tu peux pas faire ça là, tu peux pas juste faire les poupées quoi. Voilà. Les poupées. Juste tu remets pas des pièces de barbecue. Et tu fais les poupées. Bon. Et ben voilà, c'est perdu. C'est pas facile hein. Là, je sais pas, c'est ma partie ou quoi. J'en sais rien. I don't know. Je ne sais pas les amis. Je peux pas vous dire. Regardez ça. Ça, c'était ma première usine que j'avais fait en partie solo. J'avais trop accroché le jeu, je m'étais tapé le jeu en quelques jours à peine. Et c'est ensuite que j'ai fait le let's play. Mais c'est un jeu de gestion où, qui prend beaucoup de temps et tu fais beaucoup d'erreurs et tout ça. Et de le faire en épisode, c'est franchement, ça a été assez simple à des moments et très compliqué à d'autres. Et il y a des choses que j'ai mal gérées pendant les records que j'aurais pas fait... En prenant plus de temps, parce que là, vous voyez, on a joué un bon moment, là. Et malgré tout, et ben voilà, je m'en suis pas encore sorti, quoi. C'est ça qui est dingue. Et là, j'ai essayé de faire des petites décos. Vous allez voir, il y a plein de petites bandes de stockage partout. Autour des machines, j'ai tout décoré. Êtes-vous prêts? Ça, c'est ma première usine. Alors, cette première usine, j'avais pas encore compris le truc des stockages. Donc là, il y a énorme de stockages qui sont vides. Il y a des trucs qui sont pas du tout optimisés. Mais il y a des trucs qui fonctionnent quand même bien. Regardez ces petits drones qu'on fabrique, s'ils sont pas mignons. On fabrique des snows de qualité. On
fabrique vraiment tout un tas de trucs. Et là, j'ai commencé à investir dans les dernières machines, là. Ça y est, j'ai tout débloqué. Puisque là, donc je pense que là, on doit être premier. Là, je pense qu'on n'a pas tout. Là, je suis quasi à fond. Celui-là, j'en ai juste un peu. 3, niveau 3 quand même. Et là, niveau 3 aussi à ceux-là. Voilà, cette usine, elle tourne bien, hein. Franchement, là, ça avance. Ça avance vraiment pas mal. Là, je vois qu'on se sert de ça aussi, c'est cool. Les lots, c'est ce qu'ils font au fur et à mesure de tes contrats, ok. Ouais, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Bon, vous voyez, j'ai quelques machines, quoi. Il est bien ce petit atelier là, j'étais content quand j'avais tout bougé comme ça. Il y a eu du taf hein, sur cette partie, je vous le dis. Jour 298. Voilà, vous comprenez quoi. Et regardez là, j'ai quasi tout débloqué. Ici, j'ai quasi tout débloqué. Niveau 24. Voilà, c'était une belle petite partie. Donc vous voyez, je suis allé loin dans le jeu, j'ai réussi, regardez ce que j'ai fait. Regardez ça. Les postes à robots. Poste à souder. Ah, j'avais adoré jouer à ce jeu. Je m'étais vraiment bien amusé. Là, vous avez vu cette salle. Elle est énorme, cette salle. Trop grande. Voyons. Non, je les ai pas encore, je les ai débloqués. Je peux les poser, mais je les ai pas. Elles sont là. Je les ai posées juste pour voir à quoi ça ressemblait, mais j'avais arrêté de jouer avant. Là, j'en ai. Dans cette partie, j'en suis là à poser ces dernières machines-là. J'avais regardé un petit peu ce que c'était, mais je l'avais pas fait. Mais bon, j'ai les sous, j'ai tout pour le faire, quoi. Et là, ça marche pas mal, hein. Là, ça se construit plutôt bien. Faut que je lance vraiment plein de contrats en même temps si je veux. Si je veux faire pas mal de thunes. Voilà, on est encore à 80 000 là. Les guitares, ça avance. Je faisais des catapultes, je me rappelle, je bataillais un peu avec ça en essayant de les faire vite. Bon, voilà, celle-là brasse bien. Bon, c'est cool. Là, on dirait qu'on a réussi alors que dans mon let's play, je suis en train de galérer et je vais peut-être. La partie, elle est quasi dead, je pense. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais bon, écoutez, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça. Voyons les salariés. On est 58 ouvriers. Bon, il y a pas mal de monde qui bosse pas. Hein. Je pense qu'on est assez. Ouais, là, elles sont énormes ces machines. Elles sont énormes, faut que je les pose. Ouais, là, je peux faire un méga atelier. Hein. Franchement, j'ai la place d'en poser pas mal. Surtout là, pour le plastique, il y a moyen de faire un bel atelier, je pense. Je ferai ça en live, tiens, pourquoi pas. J'aimerais bien peut-être finir un peu la partie. Et je pense que mon let's play, je vais l'arrêter. Hein.